plus personne ne veut des Jeux Olympiques. Salut, c'est Dorcas, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas louper l'ultime vidéo de la semaine prochaine. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Dorcas avec 2 V à la place du A, lieu où je vous parle de mon parcours contre la timidité jusqu'à aujourd'hui où tu peux tomber sur ma chaîne et mes vidéos. Aucune ville au monde ne veut accueillir les Jeux Olympiques, excepté Paris, qui est la ville organisatrice pour les JO Paris 2024, et Los Angeles, qui est programmée pour les JO 2028. Avant de se plonger au cœur du sujet, voyons comment les Jeux Olympiques sont devenus l'ultime rendez-vous de tous les athlètes. Les Jeux Olympiques ont été créés au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'était l'organisation des concours sportifs entre les différentes cités grecques, et ça, tous les 4 ans. Chaque cité antique s'affrontait en envoyant leurs champions. Au début, les JO avaient comme discipline la course à pied et au fur et à mesure que le temps passe, plusieurs disciplines ont vu le jour comme le lancer de disque, le saut en longueur ou encore le lancer de javelot. À chaque édition, le succès était au rendez-vous, c'était près de 40 000 spectateurs qui étaient recensés. Et cela a duré 1200 ans jusqu'à ce qu'un empereur chrétien arrive au pouvoir et décide d'abolir les Jeux Olympiques antiques. Les Jeux avaient un fort caractère religieux, au point où les 3 grands dieux de la mythologie grecque avaient chacun leur concours sportif. L'empereur Théodore Ier a pris donc la décision d'abolir toutes les fêtes païennes, dont les Jeux Olympiques qui étaient à la gloire de Zeus, les Jeux Pythiques à la gloire de Apollon et les Jeux Isthmiques à la gloire de Poséidon. Les Jeux Olympiques se déroulaient à l'Olympie, un sanctuaire qui a été aménagé pour l'occasion, et il y avait un espace sacré et un espace profane. Dans l'espace sacré, on retrouvait un autel à la gloire de Zeus pour venir faire des sacrifices, des offrandes, et dans l'espace profane, il y avait les lieux d'entraînement, les lieux de compétition ainsi que les lieux pour abriter les hôtes de marque qui venaient pour les Jeux Olympiques, un peu à l'image du village olympique. Il est très important de savoir que tout le monde ne pouvait pas participer aux Jeux Olympiques antiques. Il y avait déjà des conditions pour devenir athlète, mais encore beaucoup plus de conditions pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques antiques. C'était uniquement réservé aux hommes célibataires nés de parents d'origine grecque qui pouvaient participer. Les femmes, les esclaves et les étrangers étaient exclus. Aussi, la plupart des athlètes venaient de familles riches qui leur donnaient les moyens de pouvoir s'entraîner des mois et des mois pour être le meilleur athlète et avoir plus de chances d'être envoyés aux Jeux Olympiques antiques. Les athlètes devaient recevoir un enseignement complet, à savoir l'exercice du corps et de l'esprit avec de l'éducation physique, de la grammaire, de l'arithmie, la musique, la lecture, et à chaque compétition, les athlètes devaient se préparer à concourir tout nu pour montrer l'équilibre harmonieux entre le corps et l'esprit. En 1894, le français Pierre de Coubertin a fondé à Paris le CIO, le Comité International Olympique, avec le but d'organiser le premier Jeux Olympiques de l'ère moderne. Il souhaitait renouer avec le sport et l'activité physique qui jouaient un très grand rôle dans l'éducation des jeunes grecs et surtout promouvoir la paix en rassemblant les athlètes et les supporters du monde entier. 2 ans plus tard, le premier Jeux Olympiques de l'ère moderne va avoir lieu à Athènes, en Grèce, qui est jusqu'à aujourd'hui le pays hôte, malgré que les Jeux Olympiques sont organisés chaque 4 ans dans différents pays. Et lorsque vous regardez l'ouverture des Jeux Olympiques, la Grèce est tout le temps en premier en tant que pays hôte et le pays organisateur se trouve en dernier. Le programme des Jeux Olympiques s'inspirait fortement des Jeux Olympiques antiques, même s'il y a eu plusieurs nouvelles épreuves qui ont apparu et qui ont été retirées à chaque édition. D'autres nouveautés ont aussi vu le jour, comme la participation des femmes aux Jeux Olympiques, mais d'abord c'était uniquement réservé à certaines épreuves comme le tennis et le golf. Il faudra attendre 2007 avec la charte olympique rédigée par le CIO qui donnera la possibilité d'avoir les femmes sur toutes les épreuves. Les Jeux Olympiques ont lieu tous les 4 ans et ça depuis 128 ans. Dans l'histoire, les Jeux Olympiques ont été annulés que 4 fois et pour cause de guerre mondiale en 1916, en 1940 et en 1944.
Alors que les Jeux Olympiques sont des festivités qui poussent la ville organisatrice sous les projecteurs mondiaux, toutes les villes évitent d'organiser ces Jeux et retirent même leur candidature. En effet, à chaque édition, les Jeux Olympiques représentent un projet faramineux avec plusieurs milliards d'euros de dépassement, et ça depuis 50 ans. En 2016, les Jeux Olympiques se tenaient à Rio de Janeiro et le budget a été dépassé de 51% par rapport au budget initial. Cette explosion du budget avait même conduit à des manifestations, à la colère des habitants qui ont vu leur ville saccagée pour les Jeux Olympiques. D'autres budgets qui ont été alloués pour d'autres projets de la ville ont été coupés pour pouvoir investir dans les Jeux Olympiques. Plusieurs personnes se sont vues expulsées de leur carte pour qu'au final, la ville de Rio de Janeiro soit aujourd'hui dans l'incapacité d'entretenir les sites olympiques et laisse plusieurs infrastructures à l'abandon qui ont quand même coûté à la ville de Rio de Janeiro 11 milliards de dollars. Ça, c'est un manque complet de planification. On ne savait pas quoi faire de ces structures. L'idée, c'était de réaliser l'événement, mais après, on ne savait pas quoi faire de tout ça. Malheureusement, la ville de Rio de Janeiro n'est pas la seule ville à avoir vu son budget dépassé. Les Jeux Olympiques de Londres en 2012 a vu son budget initial passer de 5 milliards d'euros à 11 milliards d'euros. Pire encore, on a l'exemple même, le fiasco de toutes les éditions des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de Montréal. À la fin des festivités, c'était près de 760% de dépassement par rapport au budget initial. C'est énorme. Et par manque de ressources financières, ce sont les habitants du Canada qui se sont retrouvés à payer cette dette, et ça pendant 30 ans. Si les Jeux Olympiques coûtent toujours plus cher d'année en année, c'est qu'il y a bien une raison. Vous l'avez remarqué que chaque 4 ans, le comité des Jeux Olympiques choisit une nouvelle ville pour accueillir la compétition. Et chaque ville choisie pour organiser les Jeux n'est jamais prête à accueillir l'un des événements les plus complexes au monde. En gros, chaque 4 ans, on reprend à zéro avec la construction d'une nouvelle piscine olympique, d'un nouveau village, d'un stade capable d'accueillir un certain nombre de disciplines, et tout cela coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Certaines villes se retrouvent même à faire des compromis pour accueillir toutes les nations qui participent ainsi que leurs supporters et n'hésitent pas à faire l'impossible comme expulser des foyers ou couper les vivres à certaines villes de leur pays et utiliser l'argent récolté pour les Jeux Olympiques. Au fil des années, les Jeux Olympiques sont devenus impopulaires. Clairement, les gens sont fatigués d'accueillir cet événement dans leur ville et c'est plus un supplice qu'une fierté de le faire. Chose qui rend le calendrier de l'organisation très compliqué car certaines villes se retirent et refusent de mêler leur ville à l'organisation des JO. Les Jeux Olympiques ont été aussi le théâtre des conflits politiques. En 1936, Hitler, à la tête de l'Allemagne avec son parti nazi, se voit confier l'organisation des Jeux Olympiques. Il profitera de l'événement pour mettre en avant son idéologie. Toujours par souci politique, plusieurs éditions ont été sabotées par les pays, comme en 1976, où 22 nations africaines ont décidé de ne pas venir car la Nouvelle-Zélande était accusée de soutenir l'apartheid. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques ne sont plus à la mode et le Comité international olympique se penche sur la question de ce qui plaira aux spectateurs dans les prochaines éditions. Et surtout, comment baisser les coûts liés à l'accueil des JO et éviter de se retrouver dans la situation de la ville de Montréal où des habitants se sont vus payer pour rembourser les folies des Jeux Olympiques. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire. On se voit la semaine prochaine à la même heure, 18h, avec un nouveau sujet. Bye bye!